Bonjour à tous, ici Clairstore et je vous présente le Demon Hunter, mais cette fois-ci ça va être un petit peu différent et beaucoup plus rapide. Je vais vous présenter à travers deux public games. Donc une public game c'est quoi? C'est moi qui rentre dans une game avec 4 personnes inconnues et nous faisons des runs. Donc la première, je vais un peu vous montrer le gameplay en général du Demon Hunter. Et ensuite, lors de la deuxième public game, je vais vous montrer un peu tous les sorts et essayer de voir comment ils marchent, ce qu'ils font, ce qu'ils engendrent comme utilisation de la hatred ou de la discipline. Donc je vous montre ça dans la vidéo qui va suivre. Donc encore une fois, je le dis même à l'avance, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à partager la vidéo. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc là, je vous montre un petit peu le Demon Hunter. Je vais pas trop m'attarder, je vais juste jouer tranquillou et avancer avec le groupe. Donc là, j'ai un sort qui fait pas mal d'AOE, qui fait pas mal de dégâts. Donc j'ai encore jamais joué Demon Hunter, hein, c'est mon premier. Donc là, c'est assez sympa à 4. Là, ça a l'air assez beau, hein. Ça lag pas plus que d'habitude. Là, il y a notre PNJ. Est-ce qu'on peut avoir un PNJ en plus? Je ne pense pas. Qu'est-ce qu'ils font les types? Nous on veut continuer là. Normalement on n'est pas très loin du Skeleton King si je ne m'abuse. Final Kill Jandar. Ah oui, on ne doit pas être très loin. Donc on avance ensemble dans la quête et je loot des objets plutôt pas mal. Je vais peut-être même avancer sans eux parce que je n'ai rien à manger. Hop là. Et que je fais extrêmement mal avec ce personnage. Ça a l'air pas mal Demon Hunter au niveau aussi bien DPS que comment on appelle ça que mobilité, vitesse, dégâts, vraiment un mix qui a l'air intéressant. Bon, ça fait à peine 3 minutes que je joue, mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires déjà sur ce mini bonus du ce mini bonus du Demon Hunter, mais je ferai évidemment un let's play entier dessus dès que j'aurai un peu plus de temps. En ce moment je vais essayer de pas mal spammer Dota 2 parce que je viens d'avoir l'accès. Donc là on va avoir le boss contre Jandar. Donc si on est 4 normalement c'est un petit peu plus dur. Bon, on voit qu'il a plus de vie. Enfin, je suppose. Là c'est. Bah là il se fait quand même massacrer à 4 dessus. Voilà, donc il tombe, on va peut-être avoir des loots une fois que le mercenaire aura pris. Sa vie à coup de lance, évidemment. On va voir ça. Sploot. Ah, donc on a un petit peu de loot, c'est pas mal ça. Hop là, thank you for your aid. On va continuer un petit peu l'inventaire, du moins jusqu'à la fin du Skeleton King. Blablabla. Blablabla. Continue. Sploot. Et nous descendons dans la cathédrale niveau 4. Et on doit vraiment être très proche du Skeleton King, si je ne m'abuse. Hop là, petit checkpoint. J'aime bien ce système de checkpoint, mais je suis quasiment jamais mort. Donc, à part lors du Let's Play Fetisher où j'avais eu les bugs. Mais sinon, le checkpoint ouais, permet de revivre pas très loin du... Là, on est mort. Là, le... Oh la vache, il tombe pas mal. Lui. Hop. Et en fait, dès qu'un monstre est trop près de soi et qu'on utilise la première attaque, on a... comment dire... On est reculé, en fait. Donc finalement, ça va être... c'est pas mal du tout et on est finalement assez safe. Je sais pas si le son est correct. Il est peut-être mis un peu de... Non, on est à 40. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Bon, on va descendre. Je sais plus trop où faut aller à partir d'ici, donc je vais peut-être les suivre. Jocim, Swag, tout ça. On voit que le barbare est parti un peu loin. Et qu'est-ce que je peux faire avec mes alliés? Est-ce que je peux cliquer droit dessus? Non, je peux pas faire ça. Play Nightmare Cathedral 1, option. View Achievement, d'accord. Je peux voir les achievements des gens, mais pas leur stuff. On peut pas faire clic droit. Ok, intéressant. Je sais pas si c'est un groupe public. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai cliqué sur jouer pour tester un petit peu ce Demon Hunter, mais... Le personnage était déjà en groupe, enfin j'ai pas très bien compris, donc j'en profite un petit peu. Mais je crois que c'est pas du tout par là qu'il faut aller, donc je vais les laisser se débrouiller tout seul. Et je vais continuer à droite. C'est un petit piège. Alors, par ici, voilà, on a une porte, je pense que c'est par là. Le dernier niveau. Mais alors, ce que je me demande, c'est si je prends la porte qui est en bas là, est-ce que je vais taper tout le monde? Je sais même pas où est la porte là. Ah, on va avoir quelques boss là-bas pour nous.
Donc là, vous voyez, je perds pas beaucoup de PV non plus. Même si on est 4 dans le groupe, mais normalement on est censé galérer un peu plus. Donc les mobs ont déjà plus de vie, c'est intéressant, mais peut-être pas plus de dégâts. À confirmer, si vous avez lu un article dessus, n'hésitez pas. Confirmez-le moi dans les commentaires. Et là, nous avons un petit boss peut-être, après avoir tué les gardiens de la tombe. Oui, je pense qu'on va avoir quelque chose. Hop. Donc là, on a déjà un coup à squelette. C'est bien ça, très tranquillement. Donc c'est assez rapide la cadence de tir, c'est pas mal du tout. Ici on a des battes. Donc là trop proche de moi, vous voyez, je recule, c'est pas mal ça. Donc je vais essayer de tester un peu d'autres sorts, je vais en profiter, quoi que non, c'est pas un let's play. Je suis là pour utiliser les meilleurs sorts et surtout ceux qui me sont proposés. Voilà, je crois que la clip ne doit pas être trop loin. Hop. Voilà, donc on va aller dans les Royal Crypt, à la recherche de l'épée de Léoric, si je ne m'abuse. C'est assez rapide, c'est parti là. Et on va même avoir un boss à la fin. Et après, je sais plus exactement ce qui se passe. Je sais plus trop, à voir. Splouch. Donc ça a l'air d'être de là-haut, le deuxième. Et j'ai oublié que j'avais le 2 et 3, donc je vais pouvoir tester un peu tout ça. Si j'appuie sur 2, il se passe quoi? Je pose une sorte de piège, donc vous pouvez voir que je pose des pièges au sol. Ça coûte de la discipline, on dirait. Donc ah oui, on est au pilier, donc je vais poser un petit peu des pièges partout. Ah, c'est pas mal ça. Ah, ça me plaît beaucoup le système de pièges. Donc, on va détruire ces piliers avant de se faire submerger. Hop, voilà, donc pas mal de squelettes, hein, un peu d'AOE, ça fait du bien. Donc j'ai des flèches en fait qui transpercent finalement tout ce qui passe par là. Donc on va utiliser d'ailleurs ce sort là. Et peut-être si je fais le 3, je suis devenu une sorte de Devil May Cry. Et je menace, c'est pas mal ça. J'ai gagné pas mal de flèches. Hop. Alors, on va continuer, il faut passer à gauche là. Oh le bâtard, comment il cheat. C'est pas mal ça. C'est bien barbare, ça veut dire que pour le Skeleton King aussi, on peut faire ce petit coup, ce petit trick de passer... Là, ça peut faire des roulades quand même quand il est au cac. Ce qui est un peu gênant quand il y a des murs dans les autres côtés. Je crois que le féticheur est passé par un chemin assez intéressant. Et là, nous allons arriver au Skeleton King, si je ne m'abuse. Donc là, hop, petit checkpoint. La porte s'ouvre et on y va tous ensemble. Donc on va être 3 à le faire. On a perdu un des acceptés. On a les check-up ici. Donc c'est super bien fait, ça. Donc on a même Josim. Et là, on a un mec qui est pas sûr de vouloir y aller. Peut-être qu'il y a un timer. Y a-t-il un timer quelque part? Pas spécialement. Ah voilà, donc ça commence. Moi j'échappe cette troupe, on l'a déjà vu, voilà, donc ils ont même fait échapper à ma place. Et on est parti à 4 défoncer la gueule du Skeleton King pour ce mini event, ce mini épisode de ma part qui montre un peu le Demon Hunter, du moins ce fou de la gâchette. Voilà. Là ils sont bien coupés, je leur mets la doudouille et on va pouvoir directement se battre contre notre cher Skeleton King. Et je vais aller même poser des petits pièges juste devant son nez. Que font-ils? Ils font rien. Je pense que je vais lancer l'event. Voilà. Oh, c'est pas mal ça, le laser beam sur les trucs. D'ailleurs lui, on dirait qu'il peut l'utiliser. On peut en mettre combien? Place a trap. Et quand j'appuie sur CTRL. Là 6 secondes, ok, intéressant. Et là le barbare va tanker, on va pouvoir bien dépêcher. Qu'est-ce que le tanking, je pense que ça va être pas mal. Là hop, moi quand il s'approche trop, je recule. Je vais essayer d'utiliser le 3 dès que j'ai un peu plus de temps. Voilà, donc j'ai le 3 qui est up et on va attendre la phase de squelette. Après il a déjà perdu au moins 40%. Il prend extrêmement cher en fait. Finalement il a beau être plus dur. Ça ne l'aide pas forcément à s'en sortir mieux. Voilà, donc là on a les squelettes, on va dépêcher ces squelettes qui tombent assez vite et pour continuer le boss. Donc on peut voir qu'il demande un quart quand même 2 barres de sort. Je vais utiliser le 3 d'ailleurs pour de im. Oh là, je tape carrément plus vite. On va lire un petit peu sur le sort juste avant la fin. Évidemment, c'est déjà la fin du Skeleton King. Donc là ça fait plaisir. On a
En plus, j'ai fait un petit achievement. J'ai même eu un shield en mémoire. Je sais pas trop ce que c'est. On a quelqu'un qui est parti. Donc, je voulais voir vite fait. Attack faster pendant 8 secondes. Donc, d'accord, 30%. Qu'est-ce que j'ai eu? Inventaire. J'ai eu pas mal de choses. Et tac, tac, tac. Majibo, il m'a dit que j'avais gagné un shield. J'ai pas très très bien compris. En tout cas, merci d'avoir regardé ce mini épisode sur le Demon Hunter. Rebonjour, ici Clairstar. Et finalement, j'ai découvert que je n'étais pas. J'étais tout seul à jouer, mais j'étais rentré dans une public game. Et que dans les public games, on nous met avec 4 autres personnes. Et ensuite, tout simplement, on joue ensemble et on fait les boss, donc on avance. Et c'est pas mal du tout. Et finalement, donc, je vais profiter pour vous faire finalement ce let's play de Demon Hunter que vous attendiez tant. Donc je ne vous embarrasserai pas avec tous les premiers niveaux barbants qu'on a déjà vu dans les autres let's play. Donc si vous voulez revoir ce qui s'est passé, ce qui se passe de A à Z, n'hésitez pas à regarder les 3 premiers let's play. Celui-là sera donc plus court en un seul let's play et qui va permettre tout simplement de tester un peu tous les sorts. Donc on va switch ces sorts et tester tout ça. Donc je pense qu'on va aller par là. Je vais directement changer mes sorts. On a même des passifs, donc ça c'est vraiment sympa. Whenever you use a run, smoke screen or back. Non, non, non. Il y en a Xbo attack, William Moment, your target for 3 secondes. Donc on va même profiter de lire les sorts du Demon Hunter puisque c'est sympatoche pendant que le féticheur nous fait tout le boulot. Donc en passif nous avons Thrill of the Hunt. Pendant 10 secondes, votre prochaine attaque va immobiliser pendant 3 secondes. Donc toutes les 10 secondes on a une sorte de petit passif. De petites passifs intéressants qui immobilisent la personne. Donc c'est pas mal peut-être au niveau plutôt PVP. Ensuite nous avons Tactical Advantage. Whenever you use your Vault, à chaque fois que vous utilisez Vault, Smoke Screen ou Backflip avec une Evasive Fire, vous gagnez 60% de movement speed, donc c'est pas mal. Et enfin, attends, je tue ce petit squelette qui est à côté de moi. Et enfin nous avons Vengeance, votre maximum de hatred, voilà, donc c'est ça, est amélioré de 50 et en addition gagnez 10 et 1 discipline à chaque fois que vous régénérez un Elf Globe. D'accord, donc les Elf Globes permettent de régénérer ces deux barres de sort qui sont plus ou moins innovantes, que je ne connais pas du tout. Donc on a bien vu que chaque barre de sort utilise certaines capacités de notre Demon Hunter. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. Nous avons mon cher féticheur qui est caché quelque part. Qui se bat contre des monstres ici. Mais en fait, il n'y a rien du tout dans cette salle. Donc on va aller ailleurs. On va maintenant passer à la branche... Ah la branche, mon dieu, on a tellement de sorts, je ne sais même pas quoi. Par quoi commencer? Je vais essayer de faire ça rapidement. Du moins, pour pas trop... En tout cas, nous avons 4 sorts, donc on va finalement les tester. Le passif, je pense que j'ai le meilleur, donc il va nous permettre de bien tester. Pas besoin de tester les autres, je veux dire, sur le passif, on les a mis, on les comprend. Donc on va passer sûrement à des nouveaux sorts. Donc on va tester Hungering Arrow. Quoi que c'est le premier Fire Magical Hand, that's sick edge. Ouais, donc ça c'est trop classique. On va mettre Bola Shot, Rapid Fire, on va utiliser Volt et Elemental Arrow. Voilà. Donc j'ai des nouveaux sorts, on les testera dans 30 secondes une fois qu'ils seront présents. Donc là je peux tirer que des petites flèches. Et on descend vers la cathédrale niveau 3. Hop là, alors, on est parti, on va les dégommer là-bas. On a déjà eu ça tout à l'heure, je le sais, mais c'est pas très grave, là on teste d'autres sorts. Donc là je lance des sortes de... Qu'est-ce que je lance? Donc ça, c'est Bola Shot. On dirait que c'est des shots qui vont peut-être plutôt ralentir. Est-ce qu'ils vont ralentir? On va lire ça. Shoot out an explosive bola that wraps itself around a target. Après une seconde, le bola explose, infligeant 100% des weapons damage en tant que feu à la cible et 75% de damage à toutes les cibles autour. Donc d'accord, donc c'est pas mal.
C'est pas mal du tout. Alors, on va aller chercher le stuff de notre cher warrior, qui est un templar évidemment. Donc ce sort est pas mal, donc peut-être en PVP encore une fois il sera utile. Donc là je vais vous montrer maintenant Rapid Fire. On va voir si on va pouvoir spam ce sort. Oh tiens, encore une petite dague. Ok, wow, ça a l'air de pas mal spam, mais vous pouvez voir que mon hatred a pris très très cher lors de ce petit échange de coups de feu. On va essayer de voir quand il y aura un peu plus de monstres, si je peux vraiment le spammer. Donc là je vais tester. Wow, donc ça fait des petits dégâts. Alors là je pouvais déjà plus le spammer, donc c'est... On peut vider sa hatred assez rapidement avec ce sort. Contrairement à celui-là qui ne coûte que 3 hatred, celui-là coûte 10, donc si on fait pas attention, on se vide très très vite. Mais ça fait des gros damage. Donc c'est pas mal du tout. Là je sais pas trop où on va redescendre, voilà. Donc on va tuer Jatred je crois, ou Jaune d'Arc qui est juste en bas. C'est Jaune d'Arc je pense qui se trouve en bas. On va aller le massacrer. Voilà, donc on a Jaune d'Arc ici, je vais faire un petit coup de petit missile. Voilà, il se dépasse plutôt vite ce Jaune d'Arc. Voilà, donc là on a bien mis la douille. Voilà, donc on va se faire finir encore une fois par notre cher Templar et on va pouvoir tester Trundrum to avoid attack. Ah d'accord, donc là j'ai une sorte de... C'est pas mal ça, c'est une sorte de... d'esquive, de parade qui permet de peut-être d'esquiver pas mal de choses quand on entamera le PVE un petit peu plus à Zachel, on va dire. Voilà, donc fini la quête. Et ensuite il me reste à tester le numéro 3 qui s'appelle Elemental Arrow. On va le tester dans la cathédrale niveau 4. Voilà, alors nous allons entamer ça tout de suite. On va même tester. Voilà, donc ça fait quand même des bons dégâts le 3. On va regarder si ça consomme pas mal de... On va le tester sur le gros, ça va être pas mal. Tac. Donc ça consomme pas trop de hatred. Donc ça peut être un sort de base. Je pense que ça peut être pas mal du tout. Ça inflige des bons dégâts. On va regarder si ça inflige réellement. On va regarder ça. Alors, nous avons un chargeur rose à 145%. Ah, attendez, je me fais taper. J'ai du mal à les tuer ça. Voilà. Alors, je suis mes coéquipiers quand même avant de mourir tout seul. Donc, je disais, to all target. Ah voilà, donc ça inflige des dégâts à toutes les targets qui passent dans le chemin. Là, c'est pas mal, on peut spam. Et je mets un cac et je repars. C'est pas mal du tout, ça va être extrêmement puissant en PVP je pense. Attendez, je vire un peu de trucs qui me servent à rien. Parce que là, il y en a un peu beaucoup. Voilà. Alors, nous avons quoi? Nous avons quoi? Où sont partis mes mecs? Donc sur la minimap, on voit bien que ses coéquipiers sont pas très loin. Donc c'est pas mal du tout ça. Donc là, je vais aussi changer mes sorts là, je pense. Ça va être... pouvoir, ah là, je suis ralenti, donc il y a un boss là, nous avons, je vais me faire un boss tout seul finalement, en spammant le hatred. Oh mon dieu, je l'ai massacré le boss tout seul, donc malheureusement pour les mecs ils n'iront pas ramasser le truc, et je crois que nous avons la crypte qui se trouve tout là-bas, donc on y va, hop là, donc je vais changer mes sorts pour vous présenter des nouveaux sorts. Donc on va changer le Bola Shot pour le Entailing truc, cette chose là par du Shuriken de la mort. Ça et ça on a déjà vu, donc on va profiter par tester Impale. On a testé tout ça, on va tester les grenades. Donc voilà, j'ai mes nouveaux sorts, on les testera encore une fois dès qu'ils seront up. Et on aura fini le tour des sorts du Demon Hunter, du moins jusqu'au level 13. 13 ou 12, je suis quel level? 12, d'accord. C'est parti, donc ils ont ramassé l'épée de Léoric, là ils ont avancé un petit peu beaucoup mes mates, ils m'ont pas attendu malheureusement parce qu'ils ne savent pas que je présente le sort, et nous avons l'attaque des piliers qui est vraiment qui est pas mal comme event, j'aime beaucoup, parce qu'il y a énormément de monstres. Donc voilà, les piliers sont quasiment tous là. Donc, on va parler, regarde, on va regarder, ça c'est mon A, donc c'est le clic droit, voilà. Donc c'est... un but, une arrow with shadow energy, slowing up for two seconds. Donc ça doit ralentir et infliger des dégâts. Donc snared, on a vu le mot snared, donc ça doit être ça. Ça doit être exactement ça. On va tester le clic droit dès qu'on a un ennemi. Voilà, donc on a les shurikens là. Ça a l'air pas mal du tout.
Ça consomme quoi? Ça consomme du A-Trade aussi. Fire swirling chakram that does 135% weapon damage to physical to enemy along its path. D'accord, donc dès que ça croise des ennemis dans le chemin du moins, ça massacre tous ceux qui sont dans le coin. C'est pas mal parce qu'on peut bien spam. Attendez, je vais ouvrir la porte quand même. Ah, ensuite, nous avons le 3 qui est des petites... Donc ça, on... Attendez, parce que je peux carrément le spam, ça n'a que 3 de hatred et je ne vois pas... La hatred disparaître, donc je peux carrément le spam quand il y a des ennemis autour. Donc on va regarder si ça slow, si ça fait quelques petits trucs. On va regarder ça tout de suite. Alors, nous avons un d'explose damage as fire et ok, donc on peut vraiment spammer. Est-ce qu'on peut le lancer loin? Non, c'est vraiment au cac, donc on va le tester sur cela. On va spammer un peu, donc ça inflige pas mal de damage, c'est pas mal, hein, un damage à haut. Voilà, donc max out, j'ai atteint un nouvel achievement, donc c'est pas mal du tout ça. Steady aim, hop là, tranquillou, c'est plutôt cool, et on va pouvoir tester le 2, lol, le 2 qui est plutôt cool, sur le boss qui est ici même, donc ça va faire déjà la deuxième fois que je le bute, au moins de je sais pas, ça va faire combien de temps que je joue. 40 minutes, c'est pas mal, donc on peut vraiment farmer le Skeleton King, vraiment, une fois qu'on rentre dans des groupes, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il va y avoir énormément de farm à plusieurs, ça va vraiment être cool, et pas que du Skeleton King, évidemment. Donc là, hop, il va passer, je lance des petits kunai. Hey, oh la vache, ça fait énormément de dégâts, mais comme vous pouvez voir, je n'ai plus de hatred, donc je vais spammer le slow, là, un peu de chakram, quand même, là, tac. Donc là, je vais même le spammer quand il va y avoir les squelettes. Donc là, ils vont bien prendre tous les dégâts vu qu'ils sont bien pâles. Et là, j'ai plus de hatred, donc je respamme le premier. Du moins, parce que le premier ne coûte pas très cher en hatred. Et ça va déjà être la fin du Skeleton King. Malheureusement, il tombe extrêmement vite. C'est Skeleton King, donc ça c'est... C'est vraiment cool, parce que là, on retrouve un peu de farm, ça me manquait. Et là, nous avons eu moins de gold déjà. On voit que j'ai pas looté de gold une seule fois. Sur ces deux runs, du moins. Voilà, tout le monde qui TP. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ce petit Demon Hunter fait pas mal de dégâts. Il est assez intéressant. Il va avoir un bon sustain, je pense, avec un petit peu de life steal et un petit peu de movement speed. Avec ses skills, il va vraiment être pas mal du tout, je pense. Alors on a quoi d'autre? J'ai des petits trucs à jeter. Parce que ça sert à rien. Ça là, on s'en fout. Chest armor, tac, tac. Witch Doctor Only. Et ça, tout ça on s'en fout. Et vu qu'on n'a pas besoin de sous, que c'est que la bêta, évidemment, je peux me permettre de les jeter. Je ne sais pas ce que c'est cette petite icône. Donc si vous le savez dans les commentaires, peut-être c'est ce que les gens ils chargent, ils font quelque chose, je sais pas. Si vous avez l'information, encore une fois, ben dites-le moi, comme ça je serai un peu moins bête. Là, il y a une boîte qui sert à rien. Donc voici, je pense que je vais essayer de faire une mini coupure ou faire deux vidéos du Let's Play Demon Hunter où je vais essayer de goupiller ça un peu mieux pour vous. Pour améliorer quand même. Comment dire, cette série que finalement je voulais faire autre chose, mais finalement c'est pas mal du tout d'avoir un personnage level 13 parce qu'on peut finalement montrer encore plus de choses en un temps plus court, donc plus intensif, et c'est vraiment c'est pas mal du tout. Donc je vous dis merci de regarder tous mes let's play. Le prochain sera évidemment le moine que je n'ai pas encore fait, donc n'hésitez pas encore une fois à partager la vidéo et à cliquer sur j'aime, ça fait extrêmement plaisir. Et je vous dis à bientôt pour le prochain Let's Play.